Qui est le favori, donc, quand vous me posez la question, via les bookmakers, eh bien, le grand favori, c'est le Real Madrid, hein, il y a zéro doute. La cote de la victoire madrilène à 1,60, la victoire du Borussia Dortmund à 5,40. Bon, il n'y a pas photo selon les bookmakers. Non, mais c'est quand même large, très déséquilibré pour une finale de Ligue des Champions, c'est assez surprenant. Une 15e Ligue des Champions pour le Real, alors peut-il en être autrement? Vous me dites, pour vous, est-ce que c'est fait ou pas? 1997, ah oui, d'accord, mais on est dans un autre football. Real. Donc, j'ai pas compris, il va falloir m'expliquer. Réal, mais attention. Attention. Ah, attention, attention le panneau. Dortmund, c'est il faut la jouer. Ok, c'est pareil. D'accord, très bien. Je comprends. Non, non et non. Non, je comprends rien. Non. Bon, allez. Bingo. C'est lui qui a dit je préférais Greg. Non, vous lui dites, il comprend rien. Vous allez. C'est vous vrai. Hein. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est lui qui dit je préfère vous Greg. Allez sur le banc. Alors, je trouve que vous comprenez rien, mais je vous préfère quand même. Regarde, là, vous y restez sans rien. Lucas est content. Là. Ouais, ouais. Moi, je ne vais pas interrompre. Non, vous n'avez pas interrompu, mais bon, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire du mal comme ça en permanence. Alors, 97, vous voulez comparer avec 97? Est-ce qu'il y avait le même rapport de force? Je ne suis pas sûr. Ben, figure-toi que si, moi, de tête, je me rappelle qu'il y a un gros carré en 97. Il y a la Juve, il y a une énorme Juve qui est tenant du titre. D'ailleurs, ils les battent en finale. Il y a Dortmund qui est un peu la surprise parce qu'à côté, il y a l'Ajax qui est une énorme équipe. Ouais. Et l'autre, ça doit être United, de tête. Donc, c'est quand même, t'as un gros carré. Non, mais je veux dire. Dortmund était une grosse équipe en 97. Pas non plus à ce niveau-là, quoi. Pas au niveau des équipes comme Andreas Möller. Non, mais t'as Möller, Lars Ricken, Mathias Zeller. Lars Ricken, il est remplaçant, par exemple. Oui. Tu vois, c'est pas. Dire la puissance. Et donc, il déjoue quand même un peu les pronostics cette année-là. Et cette année, moi, je trouve qu'ils ont un parcours. Ils ont un parcours quand même qui est étonnant. Ils sortent quand même, ils sortent pas n'importe qui, hein. Ils sortent du groupe qui est l'un des plus durs qu'on ait vu en Ligue des Champions ces derniers temps. PSV, le PSV, champion d'Europe, qui est une des équipes les plus chatoyantes un peu de l'année. Atletico derrière, et puis ils éclatent. Paris, franchement, ils font le match qu'il faut sur 180 minutes, ils sont solides. Et on peut parler du match, etc., mais on les attendait pas à la fête. Et le Real, le Real, oui, tout le monde connaît le Real, mais bon. C'est un Dortmund qui est étonnant, donc pourquoi pas. Donc, pour vous, il y a un rapport de force équilibré? Non, pas équilibré, évidemment que non. Déjà. Bon, malheureusement, on est obligé de faire revenir Anthony Clément, donc on va revenir. Ça, je peux revenir, je Mais vous allez vite retourner sur le banc, j'en suis sûr. La moindre faux pas, je vous ai à l'œil maintenant. Vikash, je pensais que vous alliez me dire Real, non? Oui, j'ai mis non. Vous mettez non, donc c'est parfait pour le Real. Peut-il en être autrement? Non, oui, le Real va gagner. Ah oui, d'accord, donc c'est oui que vous vouliez mettre. Comme il fallait à la question. Oui. C'est vous qui l'avez posé, non? Je crois qu'il est en train de dire que je comprends. Sur le banc, Anthony. Sur le banc, Anthony. Non, Vikash, c'était tout ce qu'il voulait dire. C'est pas donc on peut pas dire des vérités, en fait. On est obligé de se mentir. Vous allez sur le banc, vous y retournez, vous reviendrez dans une minute. J'avais dit, le moindre faux pas. Vous faites exprès, quoi. C'est parce que tu as ta marque. L'intitulé de la question, mon cher Vikash, oui, donc, et c'est bien qu'on ait cette discussion tranquillement. 15e Ligue des Champions pour le Real. Peut-il en être autrement? Non. Ça veut dire qu'ils vont la gagner. Ah oui, voilà. Non, voilà. C'est ça. C'est moi qui comprends rien. Anthony, vous pouvez revenir. C'est bon. J'avoue, c'est moi qui comprends rien. Vous pouvez laisser pendant que je parle. Là. On sait jamais. On sait jamais. Mais c'est trop déséquilibré et puis le Real c'est trop fort. Ils ont quand même battu City, c'est pas rien. Battre City en ayant été aussi dominé sur les deux matchs et en ayant accepté avec humilité de mettre le bus. Le Real Madrid quand même a mis le bus. Ils sont sortis de ça avec une victoire. Ils battent le Bayern Munich, c'est quand même pas rien non plus. C'est un grand d'Europe. Donc je vois pas comment avec Ancelotti, avec des joueurs de fou, avec des joueurs capables aussi de défendre, de se sacrifier. Je ne vois pas comment ils peuvent perdre contre Dortmund. Il y a plus l'habitude en ce moment de ne pas perdre du côté du Real Madrid. Série de 25 matchs de compétition confondus sans perdre. Le Borussia Dortmund, c'est sur courant alternatif. 55% de ses matchs remportés depuis le mois d'avril. 6 sur 11. Donc un coup ça gagne, un coup ça ne gagne pas. Et puis, oui, dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'est 14 titres le Real Madrid. Une seule Ligue des Champions pour le Borussia Dortmund qui avait joué, souvenez-vous, une autre finale mais qui avait perdu face au Bayern Munich. C'était en 2013. Je crois qu'ils ont perdu une seule fois en finale. C'est et en 80, la dernière finale, c'est en 1980 qu'ils ont perdu la finale. Et pourtant, Bernard n'est pas d'accord avec Vikash. Ouais, si, moi je suis. Ah bah non, vous nous dites attention Dortmund. Il n'a pas compris la question, Bernard. Vous dites attention Dortmund, vous. Je pense que Real est favori, ça c'est clair et net, mais attention à Dortmund. Quand on voit le match qu'ils ont produit contre le Paris Saint-Germain en termes défensifs,
C'était assez exceptionnel quand même. On en revient toujours à la défense. Hein, non, mais on en revient à la défense. Ben oui, il faut bien défendre pour pouvoir marquer. Alors, vous attendez à quel match? Parce que le Real, on les a vus, ils aiment bien aussi attendre. Alors, qui va attendre l'autre au final? Qui va produire du jeu dans cette finale? Moi, je pense que le Real ne va pas attendre sur ce match-là. Je pense que le Real va jouer le coup à fond. Et l'année dernière, il y avait un Manchester City-Linter, où Manchester City, on disait qu'ils étaient favoris, mais favoris, ils ont gagné 15-0. Mais ils ont gagné. Quel a été le défaut du Paris Saint-Germain face à cette équipe de Dortmund? C'est de ne pas prendre les clés du camion vraiment et de mettre un bon coup d'accélérateur. Si l'équipe de Madrid est bien sûr staffée à tous les étages, c'est bien plus élevé que le Borussia Dortmund. Après, s'ils rentrent dans un faux rythme face à une équipe de Dortmund qui attendra très tranquillement et qui, sur coup de pied arrêté, c'est un scalpel, quoi. Ça fait très très mal. Voilà, il faut juste pas se faire endormir et prendre le jeu à ton compte et le jouer. Et voilà, et que cette équipe de Madrid décide que c'est eux les patrons et c'est eux qui vont rouler sur cette équipe de Dortmund. Si par contre, tu décides d'attendre aussi comme eux, bah Dortmund, ils adorent ça, hein. Ils vont prendre tout leur temps et ils peuvent t'endormir pendant 90 minutes. Allez demander aux supporters du Paris Saint-Germain, je pense qu'ils sont encore tétanisés, 180 minutes qu'ils ont vues et ils se demandent toujours ce qui s'est passé. Il y avait aussi une cote de 1,60 pour le Paris Saint-Germain qui était favori pour Dortmund. Et qu'est-ce qui est en finale? À chaque fois, c'est le Real qui gagne aussi. Sauf qu'il va falloir que le Real prenne ses responsabilités en patron. Anthony, je redonne l'intitulé de la question pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Une 15e Ligue des Champions pour le Real, peut-il en être autrement? J'ai envie de dire non, car je pense que c'est le Real qui va gagner. Mais je pense que maintenant, tout est clair pour tout le monde. On peut partir sur des bonnes bases, mais oui. Mais enfin, je pense qu'on a beaucoup dit voilà, la supériorité du Real sur le terrain. Mais moi, ce qui marque dans le Real en Ligue des Champions, c'est que justement, on a l'impression que l'adversaire, il doit se coltiner plus qu'une équipe. C'est que c'est la force de l'habitude, de l'histoire. Si ça se passe mal, il y a même l'arbitre pour donner un coup de main contre le Bayern historiquement. Enfin, c'est que vous affrontez c'est que vous affrontez quelque chose qui est plus gros que ce qui se passe sur le terrain et qui a le poids de l'histoire qui s'impose. Et justement, des fois, ça veut pas dire grand chose de se référer aux confrontations passées ou aussi passées, mais sur le Real, ben, ça montre quelque chose du club et de sa puissance et ce que n'aura pas Dortmund qui en plus finalement a vécu une saison très curieuse où ils sont très décevants en Bundesliga. Ils s'en sont sortis en demi-finale contre Paris. Moi, je pense que c'est quand même plus la faute du PSG que grâce à Dortmund. Et c'est difficile d'imaginer que ça peut être équilibré en dehors du fait qu'une finale, c'est des fois plus serré qu'on le pense et ça peut basculer sur des drôles d'épisodes. Mais en Ligue des Champions, les trucs curieux, ils basculent toujours en faveur du Real aussi. Donc, c'est vraiment difficile de penser que Dortmund a une chance. On y est les amis, on y est dans cette grande finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Est-ce que le Borussia Dortmund sera capable de faire tomber la Maison Blanche, le grand Real de Madrid? On va épiloguer sur la thématique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la finale. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le foot, si c'est cher, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort, on est parti. Alors, le Borussia Dortmund, les gars, est-ce que ce Borussia sera capable de faire tomber la Maison Blanche, sera capable de faire tomber ce grand Real Madrid? Déjà les amis, le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui a seulement perdu deux matchs en LDC. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, que non, c'est une équipe qui ne mérite pas. Non, elle mérite. Elle a quand même battu des équipes comme le Milan C. Elle a battu le Borussia Dortmund, ils ont battu le Milan C. Ils ont battu l'Atlético de Madrid. Ils ont sorti le PSG. Ils ont battu le PSG, les amis. Aller-retour. Donc, c'est vraiment une donnée à prendre en ligne de compte. C'est une équipe qui a fini première de sa poule. Devant le PSG, devant le Milan AC et devant Newcastle. Première de sa poule. Donc, une poule qui était considérée comme la poule de la mort. C'est vraiment une équipe qui a des arguments à faire valoir. Cette équipe du Borussia Dortmund, ils ont des joueurs très expérimentés comme Mats Hummels. Mats Hummels a joué tous les matchs de LDC. Tous les matchs. C'est le capitaine, c'est le leader, il a l'expérience, il a remporté une Coupe du Monde en 2014 avec la National Mannschaft. Donc, il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup d'expérience. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le Borussia Dortmund, les amis, c'est une équipe
qui est quand même solide défensivement. Ils sont quand même solides défensivement, les amis, puisque ils ont pris très peu de buts. Très peu de buts. La preuve, la double confrontation contre le PSG, ils n'en ont pris aucun but. Ils n'en ont pris aucun but, les amis. C'est l'équipe du Borussia Dortmund. Ils ont des arguments à faire valoir. Donc, c'est une finale qui va se jouer. Attention au Borussia Dortmund. Ils ont des jeux de vitesse comme Ademi. C'est un garçon qui peut aller très vite en contre. Il peut aller très très vite en contre, Ademi. Et je suis sûr que c'est le Real qui va faire le jeu. Le Real, c'est le Real. Ils ont 14 LDC. Ils ont l'expérience. Je ne vois pas Dortmund faire le jeu. Et comme c'est le Real qui va faire le jeu, le Borussia Dortmund, ils vont piquer en contre. Ils vont piquer en contre. Ils ont des jeux qui partent très très vite. Très très vite en contre. Les Sancho, Ademi, donc ça peut aller très vite dans le dos des défenseurs du Real. Après, de l'autre côté, tu as une équipe du Real Madrid qui est expérimentée, qui n'a quasiment pas perdu de match depuis très longtemps, notamment en LDC. En face de poule, les gars, en face de poule, c'est carton plein. Ce Real-là, c'est carton plein en face de poule. 6 matchs, 6 victoires. Ils ont pris 18 points. Si c'est possible, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable, les amis. Ensuite, ils ont sorti le grand Manchester City, le tenant du titre. Oui, certains vont critiquer la manière que non, ils n'ont pas joué contre Manchester City. Mais je vous rappelle que au final, la question qu'on pose, c'est que qui s'est qualifié? La question qu'on pose, c'est qui s'est qualifié? Oui, tu as beau jouer le beau jeu. Tu as produit du meilleur football, mais au final, qui s'est qualifié? Qui s'est qualifié? Donc, on peut critiquer le Real Madrid, son jeu proposé contre Manchester City, mais au final, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés au tir au but, et ça, c'est vraiment une très grosse performance, puisqu'on joue à l'Etihad. Combien d'équipes sont capables d'aller se qualifier à l'Etihad? Combien d'équipes sont capables d'aller se qualifier sur le terrain de Manchester City? Il y en a très peu. Il y en a très peu, les amis. Donc, il faut louer le travail de Carlo Ancelotti. Il faut louer ce que le Real est en train de faire en Europe. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Sachant que tu as perdu des jeux comme les Karim Benzema. Lorsque tu perds Karim Benzema et que derrière, tu ne remplaces pas Karim Benzema par un avant-centre de qualité, puisque, évidemment, tu as Rossellou, mais je ne considère pas Rossellou comme un avant-centre de qualité. Donc, tu peux quand même Benzema et derrière, tu réussis quand même à construire une équipe compétitive. C'est vraiment génial ce que Carlo Ancelotti est en train de faire. Il faut respecter ce Real. Après, Dortmund, ils ont les chances. Ce n'est pas au hasard s'ils sont arrivés en finale. Pour moi, c'est du 55-45. 55 en faveur du Real Madrid et 45 en faveur du Borussia Dortmund. Après, partagez votre réflexion, commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.